Avenir, c'est votre émission, l'actualité en temps réel, Cyril Yarcy. News, votre chaîne préférée. Merci de votre marque de confiance et à tout moment où vous êtes là, on a Colandabiso et nous sommes aussi là pour vous informer et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, liker nos émissions, donner vos suggestions, ça me fera vraiment du bien. En tout cas, merci à tous les Congolais à l'étranger, ici, en République démocratique du Congo, pour la confiance. Vous allez que Pessa Bissot, moi, c'est le Mobutu de la presse, c'est votre humble serviteur, l'actualité reste toujours dominée par les discours. Yamokonzi Yamoka, le chef de l'État, à Lobaki, mon collègue, le 30 juin. Il y a eu aussi des réactions de quelques personnes dans notre classe politique. Là, je vois Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, qui ont aussi réagi. Nous allons en parler dans notre émission. Nicolas Kazadi, je suis préparé pour voyager, mesdames et messieurs. L'ancien ministre des Finances qui avait vraiment des cadavres dans quatre placards naïe est-ce que normalement parce que Bato Baza qui peut impliquer dans cette histoire Baza sous mandat d'arrêt il s'agit de monsieur Robota ancien ministre et Mike Kasenga nous allons en parler n'est-ce pas de l'impunité et aussi erreur du passé. Pour le bilan, on a Katia, émission d'Abissou. Pour le bilan, il y a l'illégalité. Au Tomoni, les lots du gouverneur, il y a l'illégalité. Il y a l'économie, tout. Qu'est-ce qui va se passer? Et avec le ministre de l'Intérieur, semble-lui acheté en Ouganda par l'État congolais. 64 ans plus tard. Est-ce qu'on peut acheter des blindés en Ouganda? L'Ouganda qui est complice de la guerre qui se passe à l'est de notre pays. Mesdames et messieurs, je vais commencer par là. Je vais commencer par là. Pourquoi? Parce que, dernier tozaboyé, Kimia et les Kinyonso. Ce que vous avez dans la zala na Kimia. Ce que vous avez dans la peine na Kimia. Mais ce que vous avez dans la Kimia, c'est en même temps vous avez dans zala. Ils n'ont pas si pour vivre. Aujourd'hui, il y a une histoire de semblant acheté en Ouganda par l'État congolais. Et les Congolais se posent des questions. Ma blindé et coquille qu'on a tracé par le M23. Vous allez me dire comment ça fonctionne. Il n'y a pas longtemps, j'avais suivi les fils Mousséveni faire des déclarations pour dire que lui et Garamé contrôlent la région. C'est gravissime aujourd'hui si on peut coopérer encore avec l'Ouganda sur le plan militaire. Dans cette région, je l'ai toujours dit, même ici, au Congo en face, Baza sincèreté, ils sont tous complices. Complices dans ces complots contre la République. On est en train de subir aujourd'hui et la guerre nous est imposée par des Occidentaux. Ils sont complices. Ils aident les agresseurs et ces gens à nous infiltrer. On prend les cas en face ici. On a vu le Congo vendre une portion de terre. On a conseillé la bilanga là-bas au Rwanda. Et les Rwandais sont là pour nous infiltrer. On s'est réveillé comme ça un jour, notre île occupée par les Congo. C'était une façon d'occuper le Rwanda et le Rwanda. Et ma belle, on a battu les Bangouapi en face de Maluku. Deuxièmement, souvenez-vous de l'entrée à M23 à l'est de la République. 64 ans plus tard, est-ce qu'on peut coopérer encore avec l'Ouganda? Sur les plans militaires, Ouganda, qui permet au M23
ya kokota na Bunagana. Koma bakota ki na Bunagana? Kagame alongwe Kigali. Vers Kampala, pona kokuta na fils Museveni. Il croise le fils Museveni. Le jour de son anniversaire, ils ont parlé parce que celui-là aussi est dans l'armée. Basololi. Et puis Kagame a quitté na Uganda, batika la côté les tapis rouges. Il semblerait que lui et Museveni, baza qu'on s'attendre. Lui et Museveni, baza qu'on s'attendre parce que il y a d'autres choses où à Salaka, Museveni a l'inakangote. La politique de l'infiltration, c'est cela. Mais il quitte Kigali vers Kampala le jour de l'anniversaire du fils Museveni, débatté Kabunagana. N'oubliez pas que le fils Museveni est le commandant suprême des forces armées dans leur pays aujourd'hui. Dès le jour Oyo, batté Kabunagana. Bunagana a été vendu ce jour-là. Et un pays comme ça, Bissou, tout ce qui est coopéré naïe. Aujourd'hui, comment on sortit dans Rwanda? On nous parlait de blindés ici, nous tous, on en a parlé ici, on nous a montré des blindés. Et Outaki, Turquie, Moussoussou, Outaki, Anazi, je ne sais pas, aux Émirats arabes, Eyaka. Il y a eu des drones achetés à l'époque, des drones sophistiqués pour bombarder le M23. Aujourd'hui, nous allons acheter de blindés en Ouganda. Mais l'Ouganda est complice. Il y a des vidéos qui circulent ici. Au côté, il y a un M23 à Bunagana. C'était en Ouganda. C'était en Ouganda. Donc, cette manière de faire ne nous plaît pas, nous, peuple congolais. Nous sommes un État souverain. Bien sûr, on peut coopérer avec les autorités, pour contacter l'Ouganda, tout ça. Et avec l'Ouganda, nous avons des relations, des bonnes relations diplomatiques. Malgré que le Rwanda se cache derrière l'Ouganda et son complice pour nous imposer la guerre. On n'a pas la rupture sur le plan diplomatique. Mais l'Ouganda, ce ne sont pas États censeurs. Obiso Tokoyo pour coopérer là-bas sur le plan militaire pour la sécurité Nabiso. Parce que c'est la sécurité qui fait que Tovani, c'est notre souveraineté. Mais nous coopérons avec l'Ouganda. Dans cette région, Ezanambo Kamoko Baza sincère. Je l'ai toujours. Moutou dans Moutou avisaka toujours intérêt. Le président Tshisekedi, au début de son mandat, a kena okutana Yoweri Museveni, a kutana Paul Kagame, a kutana le général Ndayi Chimie, a kutana Batonyo, surtout na ba Lorenzo Sassou Nguesso. Mais ces gens, c'est donc le luxe de trahir Tshisekedi diplomatiquement, d'aller se rallier na ba Oyonyo surtout. Baza na posa ba so kota na biso à l'est na kobo mabatu. Mais ce que nous demandons aux autorités, même si tout ça na contexte ya guerre, il faut que batozo coopérer nanan. L'Ouganda ne peut pas se faire notre allié. L'Ouganda ne peut pas être censeur avec nous sur le plan militaire. Mesdames et messieurs, le président de la République était devant la nation, 64 ans plus tard, 64 ans de l'indépendance, le président de la République a parlé, le président de la République a l'acquis en ce qui concerne la guerre, le président de la République a talisi Makamoussou sur le plan social, je prends sa déclaration, entre guillemets, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien,
En ma qualité de garant de la nation, je tiens à vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Félix Tshisekedi, je suis conscient des difficultés sociales. Donc, le président de la République reconnaît que le peuple congolais nous en a des difficultés sur le plan social. Là, j'interpelle le gouvernement, très cher membre du gouvernement, Baye Boye Koukota, na Baye. Dans ce qui déjà, vous devez faire des efforts parce que Binonde Bozo gère Mboka au quotidien dans la vision présente de la République. En ma qualité de garant de la nation, je tiens à vous rassurer que cette situation me tient à cœur. Le président de la République a besoin de reconnaître Yango, que le peuple, donc nous avons un président quand même qui reconnaît que nous avons un problème sur le plan social, qui ne fait pas semblant, n'est-ce pas au moins quand on a 18 ans. Ma détermination d'y apporter des solutions idoines et urgentes. Des solutions idoines et urgentes. C'est Madame Tuluka avec son équipe. Parce que si vous regardez aujourd'hui, on l'a toujours dit ici, Batoma Kofinga Bissou. Dans les réseaux sociaux, beaucoup racontaient n'importe quoi dans les commentaires. Regarde ce que c'est, tu peux raconter. Non! Ça ne voit pas, ça ne voit pas. Nous sommes dans la démocratie. Si ça ne voit pas, Tokolobake, ça ne voit pas. Si ça va, Tokolobake, en tout cas de ce côté ici, ça va. Sur le plan social, nous interpellons toujours le gouvernement. Regardez à l'Odia de ce côté-là du comment Banda Koeziki, plus de 500 maisons, Batouba Kola la Libanda. C'est aussi une situation sociale. Oh, Batouba Sali Ko vivre, Batouba Kola la Libanda. Nous interrompons. Il est accompagné par le gouvernement et d'autres personnalités. Au Bazaline, en charge, comme à la Banque centrale, il y a qu'on travaille. Madame Malamou Kabedi, qui doit accompagner aussi le gouvernement avec la politique monétaire, la politique Oyo, il y a qu'on vende cette économie en beau cannabis. Mais nous, surtout, Bazaline, en charge, il y a la République. Ce qui est social, social, écoute, moi, je vais dire que il dépasse dans sa mission. Ce qui est mon gozamboka, si ici mandat naïf social et vanité. Il y a mon boulot. Et ça, mon boulot, parce qu'il dépasse, il y a union des démocrates pour le progrès social. C'est-à-dire, bah, démocrate, bah, sangani, on a progrès social. Mais si le président de la République, même au deuxième mandat, reconnaît que social, Yabatu. Ils ont pongan épinglé mini mini social. Ma question sécuritaire, il y a eu des réunions avec des autorités militaires. Le président de la République l'a rappelé dans son discours. Mais le problème, c'est quoi? J'ai suivi M. Moïse Katumbi. Après le discours du président de la République, le garant de la nation, mesdames et messieurs, Moïse Katumbi, Aeli Kolobanini, on n'a pas le droit de changer la Constitution. C'est sa compréhension sur la question de la Constitution le 30 juin. Le vrai changement de la Constitution, c'est le social du peuple. Il faut être malade pour penser à changer la Constitution. Le social, le président de la République a le béli en haut. Là, maintenant, c'est aussi le changement de la Constitution. Non. Monsieur Moïse Katumbi est dans la confusion, si je comprends bien. Parce que Nathaniel Karamalobanaï, il est dans la confusion. Bah, tu es ensemble, les boys, dans la terre. Je ne sais pas, Makambo, ce qui va commettre la Kiango Moïse, ce qui est Moko Akoma Kiango. Ce qui est Moko Aloba Kiango, ce qui va commettre la Kiango. Soit tes aïe Moko. Le vrai changement de la Constitution, non. La Constitution englobe tout M. Moïse Katumbi. Il faut se taper des juristes. Vous savez, M. Diakese, non? M. Diakese. Et je vis ici réclamer le poste, ya, 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 nini, tout ça.
Pour expliquer Moïse Katumbi que la constitution, c'est la loi des lois. La loi mère de la République. Sociale et Zali, sécurité et Zali, souveraineté et Zali. Ma kamunyo, surtout, y'a yin akati. Mboka yeko kambama, c'est l'homme ou beko likunzi. Ce qui va l'iba changer constitution, pour na makamboa social, toko changer pour na makamboa social. Ce qui te veut changer constitution, pour na maematali, élection, bako changer constitution. Ou soit bako modifier yango. Et quand il dit que le vrai changement de la constitution, c'est le social, le peuple, il faut être malade pour penser à changer la constitution. Non! Constitution yango moko, denye e yale awa. Denye za awa. Ezo le bela makambu, yako changer yango na kati, yako modifier yango na kati. Ça, c'est un débat dépassé. Il y a qu'on changer constitution. Il y a qu'on modifier constitution. Il y a des articles dans la constitution. Oh, ce qui va modifier, va coquer qu'on simba yangote. Namaye matali mandat à chef de l'État. C'est la loi mère de la République. Prof Mbata Kolandanga, Evariste Bocha Bakolandanga, Jacques Ndioli Bakolandanga, des grands constitutionnalistes, M. Moïse Katumbi. Il faut apprendre à lire que c'est jeté na makamu moko boye oyo ezani mutuna makolo. Vous dites que c'est, vous êtes malade, mais là donc là, vous allez dire que la constitution elle-même est malade. On a katia ba lobeli pe changement, changement koki ko sale ma part la voix référendum na référendum de tokoki ko changer constitution. Ceux qui disent qu'on va modifier, ça passe au Parlement, ce sont les députés. C'est le cas en 2011. Donc, vous voulez dire aujourd'hui que le col a modifié la constitution en 2011. Kabila Joseph, là, bah, tout le monde, surtout Bazala qui n'a qu'à sa Parlement à l'époque, Bazala qui est malade. Là, c'est de l'ingratitude à travers. Joseph Kabila, Oyo. Bazala qui a une famille politique, Moko, et aussi. Kolandi samaloba na yo lelo eza lokola oko comprendre et l'okote sur le changement de la constitution. C'est ici il faut lire. Vous avez des juristes tout autour de vous. Soki yo moko oko kate ibisa bango boyibisa na article yo zoyebela makambo ko changer constitution et ko modifier constitution, c'est ici. Ce n'est pas à moi de venir ici pour vous dire que na kati a boyibouyité. Donc, Moïse Katumbi, alinga comme président de la République, et en bon cannabis, a émis constitution T. A émis constitution T. Que na katiawa, il y a une modification, bah, le bela yango, par référendum. Na katiawa, bon, changement par référendum, modification, koleka na constitution. Comme la fois passée en 2011. Je me souviens très bien, Boutamoutou, tu sais que du candidat, Joseph Kabila, candidat. Les restes ici, ma candidat, Kaké Semayel et François Nicéphore, Andé Kadjamba Jean, tous ces gens-là, ma candidat. Tout le monde a élection et l'ongwa. N'a détour et zonga n'a tout mon corps. C'était toujours dans la modification de la constitution, ma modifier la constitution. Et j'avais suivi la mère Mendy à l'époque, ministre de la communication porte-parole du gouvernement. À l'oba qui n'était pas dépenser Mbongo et Bili. Pour la détour et élection, il faut te dépenser Mbongo. Tout meka pour modifier ma kamoussou soupo, tout dépenser mon mouke. C'est aujourd'hui. Moïse Katumbi se réveille pour dire que, pour l'oubake, pour changer la constitution, c'est être malade. Moi, je ne comprends pas. Ou soit, un débat, ils arrivent à un niveau dans lequel Moïse Katumbi. Normalement, il faut d'abord contrôler, vérifier ce que vous dites avant même de passer devant le média ou soit devant les gens. Je prends aussi la réaction de Martin Fayoulou, un grand ténor aussi de l'opposition. Martin Fayoulou de l'ECID, la Mouka, je ne sais pas, apostrophe, ce qui est la Mouka 1, ce qui est la Mouka 2, à l'OMIP. Nous sommes dans la démocratie, les jours de l'indépendance, 64 ans plus tard. Ou à coloniser Bissau à Kenda, mais Mindé, nous avons la carte à la forme, mais 64 ans plus tard, de l'indépendance de notre pays, Martin Fayoulou nous fait une déclaration. Je reviens sur ça.
pour on a faire comprendre bino dans une méconnaissance flagrante de la gestion des priorités. Monsieur Félix dit ce qu'il préfère se livrer à son sport, favorise ses voyages inutiles à travers le monde. Il refuse de se rendre à Beni Butembo, à Goma, Mongwalou ou ailleurs. Si le président de la République voyage aujourd'hui, M. Martin Fayoulou, voyage dans les états officiels, diplomatique. Aujourd'hui, vous parlez de la guerre de l'Est. Mais vous êtes aussi opposant. Vous pouvez aller là-bas. Ces pays nous appartiennent tous. Allez aussi à l'Est de la République. Allez aussi à l'Est. Donc, voyage. Quand on voit Zambo, quand on voit qu'il y a des bandes, des amabé. Ce qui m'a causé à Ké Libanda, voilà voyage des amabé. Ce qui m'a causé à Ké na Est, ah, là vous êtes content, car Ké na zone moko y a danger. Si m'a causé à Mboka, aligné à Kéni, dans Lubumbashi par exemple, dans Mbanda Kato, dans Mbujimaï, sécurité naïe, il faut exhaler tout ça, tout ça. Seulement, dans cette zone de guerre, oh les loups, bah, comme ils ont boit la bombe, ils ont eu un aéroport, place, oh yo, bisika, oh yo, moko zambo, kako yo, kite là. Monsieur le président de la République, toute une institution qu'on doit protéger, Martin Fayoulou. Quand vous dites que le président de la République doit aller à Beni, à Goma, il peut aller là-bas. Et il doit aller là-bas. Il peut voyager. Le chef de l'État était à Beni, il était partout, c'est à Goma, pendant la guerre. Je me souviens bien. Avant d'appeler à Goma, mon ami de Konabiso, Christian Dusekono, Koulou Tounanga, que je salue en passant, pour poser ma question, parce que la paix en direct. J'avais vu encore, même M. Samalou Kondé, parce que la conférence de presse en direct de Goma. M. Patrick Mouyaya et consort et le ministre de la Défense, M. Kabanda, à l'époque, à Goma, toute une communication à Goma. Vous voulez quoi? Et que le président aille se faire tuer là-bas, à Beni? Pas cette zone de guerre. Guerre, il y a un exemple au Bundamana, la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine a kenda front ta mokolomoko? Vladimir Poutine, qui est parmi le président le mieux sécurisé du monde, a kenda na front, a kenda ata mokolomoko, mais arrêtez de nous dire n'importe quoi quand même. Si vous manquez à dire, on a pas occasion de dire, il faut se taire. 64 ans plus tard, Ouzobou Yamokozamboka a voyagé à Kende. Kosou la Makambouya Congo. Donc, voyage, ce qui a Kena, Goma, Butembo, Beni, Wana Eza bien. Ce qui a Kena, Banda, Wana Eza voyage, ma baby, tu vois. Et au contraire, dans la zone à guerre, le chef de l'État, ce qui a Kiti, il faut sécuriser, la renforcer. Tout ça, c'est de l'argent. Place au Bakoyu Kocha 4 militaires, Bakocha 8, on double l'effectif. Est-ce que vous voyez bien, M. Martin Fayoulou? Vous avez lobby pour accéder au Kola Moïse Katumbi, qui cherche à accéder au pouvoir, mais à éviter que la carte de la Constitution parle de la modification, du changement de la Constitution. On avait besoin d'une opposition forte, qui pouvait vraiment basculer cette question au pouvoir pour défendre sa démocratie. Je l'ai toujours dit ici. Mais malheureusement, nous avons une opposition qui cherche encore à se réorganiser avec des déclarations. Qui se limite seulement avec des déclarations. Et des déclarations, on peut se dire que la Nélé en haut, ils ont cadré ta Nélé comme un côté peuple, comme un côté la moutime. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre émission. Dossier Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi qui obtient
Nicolas Kazadike obtient une autorisation de se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Il y a un lampadaire, vous voyez bien. Il y a un forage, vous voyez bien. Monsieur Kazadi Nzuzi est impliqué dans cette histoire. Monsieur le PG, procureur général, au coqui jamais qu'on accordait est sorti dans Boka Ouyou. Vous nous ramenez dans l'impunité. Une justice à double vitesse. Des poids, des mesures. Et je vous rappelle que ce sont les erreurs du passé. Otomonaka Awa, Nathan Yakabila, Nathan Yamouze, Nathan Yamobutu. Une justice faible. Aujourd'hui, que continue à être malade, selon le président de la République. Monsieur le PG, là, je m'adresse à vous. Monsieur Kazadi Nzuzi n'est pas gravement malade pour se rendre à l'étranger. Parce que dans mon Congo, il y a un dossier, il y a un bon mot, et belé, et belé, et belé. Mais mettez aussi Rubota en liberté. Mettez aussi Monsieur Mike Kassenga en liberté. Parce que Batou Oyonde Bazali, dans le dossier, mon connaît Nicolas Kazadi Nzuzi. Oyolelo a commis malade. Pourquoi les politiques congolais, ceux qui battent tant qu'il y a les Kamouaïs, qui l'art, à Salaki Bouyi, à Détournaki, à Komaka malade? À Komaka malade? Il faut que Makambo Oyo est ici là. Oh, tout le monde a François Béa. Il y a un coup d'État. Et l'Obama n'a pas eu un coup d'État. Il y a un coup d'État. Si ma bombe crie ça malanga, il y a un coup d'État. Mais, M. François Béa, c'est là qu'il y a un Kati. Il y a un coup d'État. Tout le monde a eu un coup d'État. Aujourd'hui, liberté provisoire, à sa maladie, à nous sommes dans quelle république? 64 ans plus tard. Oh, le moube que ça respecté te. Oh, Tomonipe, le nouveau gouverneur a nommé, tout plus de ministre, a nommé commissaire. C'est de l'illégalité. On a outoukouloba awa. C'est l'illégalité. Comment se fait-tu? Les lots. Monsieur Kazadi Nzuzi, Nicolas, est malade. Quand il gérait l'argent de l'État, c'est qu'il a tombé malade à Tamoukolo Mokoté. Quand il gérait. Aujourd'hui, Balongolie, Azanaba, Makambo, Oyeza Kolandaye, à quoi est malade? Et le Peugeot, qui l'autorise de quitter le pays. Le PG qui l'autorise de quitter le pays. Monsieur le procureur général, je ne sais pas si c'est Monsieur Vondi, si je ne m'abuse pas. Je ne sais pas, le celui-là. Qui autorise Monsieur Kazadi de quitter le pays. Monsieur Kazadi est poursuivi. Justice et Senga qui déjà, Balongola, immunité naïe. Chambre basse et livrée, la justice, basse misabango. Parce que Molile et Zali n'a les kambo oyo. Et M. Kassadi a koki ko obtenu autorisation ko kite Mbokate. C'est une autorisation de trop. L'impunité, 64 ans plus tard. L'illégalité, 64 ans plus tard. Ce sont les erreurs du passé. Makambo Oyo, il faut ici là. Moutou Aïbi. Pourquoi c'est pourquoi il y a un peu de bayam? O, osamwa na maïnanga, o, totanga na ye.
qu'on l'arrête. C'est comme ça que changement est koya. Changement est koya ndengenini. Ce qui m'a dit, il y a un bon qui a été 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 un bon projet à l'Okuta. Projet boué. Projet boué. Donc, il y a un projet à l'Okuta. Pour ça, là, on a retourné sur la République. Mais M. Kass a dit, il a cité. Bon, il y a une dirigeance. Bon, il y a une dirigeance. Mon dirigeance, bon, on va faire la canne urgence. Et le PG autorise ces messieurs. Moi, je ne sais pas si on a autorisation. Le reste, ce n'est pas mon problème. Comment on peut autoriser à ces messieurs? Je n'ai pas vu monsieur le ministre Moutamba parler. Le ministre de la Justice. On va faire attaquer Kaka PD, lesbienne, comme ça. Constant Moutamba. Constant Moutamba. Excellence, monsieur le ministre. N'a que l'obite, au Sénaka dossier, yaba et tout va détourner qui misolo. Lelo robot asana prison. Robot asa sous mandat, arrêté. Mike Kassenga sous mandat. D'arrêt. Mais au Sénaka dossier. Donc, parmi dossier, wan, ba dossier va pèsa kayo. Dossier à M. Kassadi, c'est là qu'il était. Parce que son nom, c'est Kassadi, qu'on ne peut pas l'arrêter. Je me suis toujours posé des questions. Est-ce que Étienne Tshisekedi ou Amouloumba a-t-il que Nicolas Kassadi ou la IDPS? Est-ce que Nicolas Kassadi ou Bazaki Batouazaki n'a idéologie? Bien sûr, fils du pays, on peut prendre quelqu'un qui peut gérer. Mais il est collé à l'UDPS. Union pour la démocratie et le progrès social. Bah, tu y a 10e rue. Je le dis pourquoi? Parce que je connais Tshisekedi. Un homme intègre. Un homme intègre. Et qui restait toujours dans l'opiniâtreté. Tshisekedi Wamulu. Je ne le vois pas vivant dans ce pays. Ben Nicolas Kassadi basala makambo bazako sala. Et moutou loko le tient Tshisekedi de ba Nicolas Kassadi bazana katia au salir mémoire. C'est ça mon regret parce que je connais tient Tshisekedi. Je connais tient Tshisekedi. Monsieur Nicolas Kassadi, il faut azala poursuivre. Il faut répondre à l'acte naïe. S'il est innocent, à Sambi, à Longi, à Tsikini. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu tout ce temps-là, lampadaire est comme un peu de Lilo, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, le gouverneur, qu'on nomme le ministre illégalement. Monsieur Bumba, vous avez au premier forfait. Ça, c'est un premier forfait. Je comprends maintenant que la plupart, il y a tout. Oh, yo, bazos, bazos, ba, baza, la, ba, autorité. Ba, yébi, nan, mi, be, kote, mi, be, ko, yambo, ka, ba, yébi, yambo, te. Surtout, mo, be, ko, likunzi. Ba, to, oh, zo, mona, oh, alinga, koma, bourgmestre, alinga, koma, a, komi, de, il y a même de député, là. Ba, te, belé. Même des gouverneurs. Bah, on y a eu ce que nous avons dit, Moïse, quand il y a eu une constitution, il y a eu la déclaration. Allez, si news.cd, d'autres médias, vous allez voir. Nous, on fait que relayer l'information, commenter l'actualité. Et bené. Et aujourd'hui, on autorise un Kassadi d'aller se faire soigner. Mais ici, il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux. Tant que vous avez géré l'ampadaire, vous avez géré Bambo, vous avez dit, vous avez maladie. Bien sûr, vous avez fait des performances, vous avez décidé qu'on est capable avec votre intelligence. Mais Moussolo, on a dit, ce peuple est bungi. Moussolo est bungi, tokoti kate, Moussolo, oh, il fallait essunga. Dans l'hôpital, il y a gratuitement,
bana batanga gratuitement ba bongisa banzela oyo gisaro lelo ministre incompétent ako sale lelo côté makambo ezali ebele ebele to soma mandu ki bitumbe ezali na est ebino bozo ki ndekotimbo la mabulu na ba millions de millions de dollars botimbo la mabulu to boite lumière fo ezala. Il y a des places où yo, il faut battre basunga bango na mai basala ba puis do pa pesa ba ndeko na biso mai bota la ndenge na ba chumbe na lo meda kuna na loja kote wana kuna nde banda ko ezali ko zika. Je vais terminer par là parce que me fait déjà signe derrière la caméra qui est télévision ezali radio T likambo ya projet 145 territoires madame Touluka 145 territoires yo ezala ki na plan. Et le coup yon de, et que ça la ke lobby lobby, na batou bako yana si ma batanga bako mou na ki. Bo finance yango. Bamba mo wana nyon sotou ne, il fallait financer ba projet ouy. Po bande kon abis so basa na fin fond kon abas se retrouvé pe. Mais, yon ko kende, la li benga ya moutou. Des millions, des millions. So ki azu mou so la République, Congolais so akoye maladie. Donc, mesdames et messieurs, 64 ans plus tard, voilà, bah, RR Tozo commettre, 64 ans plus tard. Et c'est un abisso, et Zakana Kimiate, nous avons des problèmes sur le plan sécuritaire. Mais n'oublie pas que le Congo reste toujours notre dénominateur commun. Merci aussi à l'équipe technique, merci. Nous surtout Bolanda Kimiso, à travers le monde, restez branchés sur Dier News. C'était le Mobutu de la presse, votre humble serviteur. Ici, en direct de Kinshasa, restez branchés sur Dier News.